Et 3, 2, 1, yo, je suis DJ, j'espère que vous avez bien déglingo MPG sur la nouvelle vidéo du Survivor, les gars, vous n'êtes plus que 4, félicitations à vous, vous êtes dans le carré final, vous avez fait le taf, c'est maintenant qu'il va falloir être bon, les gars, je vous le dis, allez, on passe directement sur les résultats, bravo Duo, bravo Bastien, bravo Simon et bravo Antetodran. Les gars, bien ouais, désolé Dark Vador et Cost on Fire, il ne fallait pas mettre Rennes, les gars, les Bretons, c'est pas safe. Voilà, en tout cas, ça peut être le dénouement, le grand dénouement, ce week-end, ou à la journée de mercredi. En tout cas, à mon avis, dans les 3 jours à venir, à mon avis, ça va être plié et on repartira sur une nouvelle saison, les gars. Donc, évidemment, vous mettez en commentaire de cette vidéo vos 4 pronostics, les gars, et les autres, bah, essayez de les influencer pour qu'ils se trompent. Évidemment, comme toujours, dans la joie et la bonne humeur. Aujourd'hui, une grande journée de foot, on a le before à 16h, 16h-19h, avec plein de choses, plein d'animations, plein de trucs, ça va être fou. Donc voilà les gars, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ah oui, quand même, on va regarder vite fait, il y a quoi à pronostiquer? On a beaucoup de derby, on a un Strasbourg-Metz, pas mal du tout. Et d'ailleurs c'est tout, il n'y a qu'un seul derby. Ah non, Nice-Monaco aussi, gros derby de la Côte d'Azur. Évidemment, ça va être chaud quand même. PSG Lyon, très compliqué. Marseille-Rennes, wow, la victoire, easy win, non? Karma. Attention les gars, pensez bien au match de Coupe d'Europe, avant et après. Ça peut jouer absolument, je ne vais pas vous influencer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Une vidéo courte, nette et efficace. C'est le money time, il faut être bon. Prenez soin de vous et je vous dis rendez-vous à 16h pour un before de Folie la Team. Ciao, ciao.